Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est Chouchou. Eh oui, Chouchou a terminé son kit. Eh oui, déjà, c'est une vraie machine pour le DP. Donc là, il a terminé son DP de l'Indienne avec les loups. De la boutique, j'ai oublié. Je vous le mets là, tout de suite, je vous le mets. Désolée pour la boutique, j'ai eu un trou. Voilà, donc, pareil, je vous remets en barre d'infos, hein, le lien de la boutique, le lien pour retrouver le kit, si jamais il vous plaît. Donc là, il l'a terminé et je l'ai encadré déjà, voilà. Alors, comme là, c'était un 40-50, ce n'est pas tout à fait les mêmes cadres que vous voyez dans les autres vidéos. Bon, c'est un cadre plus grand, bien sûr. Sauf que là, ce n'est pas une vitre. Et j'aime pas beaucoup ces cadres-là, franchement. Mais j'ai pas trouvé mieux. Enfin, si. Il y avait des cadres avec des vitres. Bon, mais je crois que je vous ai déjà expliqué. Chez moi, les murs, c'est des vieux murs. Hein. Voilà. Attendez, je sais pas, j'ai l'impression d'être descendue, là. Oui, c'est mieux. Chez moi, les murs, c'est des vieux murs, c'est les maisons des mines. Je suis dans le nord, hein, donc c'est les maisons des mines. Avec derrière le plâtre, on a des briques, mais entre les briques et le plâtre, il y a de la bourre. Voilà. C'est avec ça qu'on faisait les maisons dans le temps. Hein, et c'est la vraie cochonnerie. Parce que vous plantez un clou dans le mur, pouf, vous avez le mur qui tombe. Donc, je fais attention. Quand je mets mes cadres sur le mur, on a essayé des adhésifs, hein, spécial cadre, hein, mes cadres sont tombés. Donc là maintenant on remet, j'ai acheté des vis spéciales dans le magasin de bricolage là chez moi. Pour l'instant ça a l'air d'aller, ça a l'air de tenir, mais donc mais c'est vrai que quand vous êtes le soir en train de regarder la télé comme moi l'autre jour et puis que vous recevez un cadre sur la tête, c'est pas très agréable. Voilà, voilà, voilà. donc tout ça pour vous dire quoi? Oui, pour vous dire que là, donc j'ai pris un cadre plus grand, un 40-50, et je n'ai pas pris avec la vitre parce que avec la vitre, il était lourd. Donc j'ai dit un cadre qui sera lourd, plus le DP dedans, c'est pas la peine, je vais l'accrocher, il va tomber direct. Donc, c'est un cadre avec une protection, mais en plexiglas. Voilà. Enfin, c'est très, très fin. Hein. C'est du plexi, mais alors, cigarette. Hein. Mais bon. C'est pareil, j'ai aussi eu des déconvenus déjà avec ces cadres. C'est pour ça que je vous dis que je n'aime pas beaucoup. J'ai des DP qui sont tombés avec ces cadres-là aussi. Donc là, hier, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis de la colle. La colle que je me sers pour faire le nounours là, parce que celle-là elle est costaud, la B7000 je crois, ou oui, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Celle-là de colle est nickel, et donc j'ai collé tous les côtés du plexiglas, bien sûr à l'intérieur hein, du cadre, sur le petit rebord, vous savez ça se pose sur un petit rebord hein, la vitre ou le plexi, et donc j'ai mis de la colle tout le tour pour pas que ça bouge. On va croiser les doigts, les orteils, tout ce qui se croise. Et puis, on va espérer que ça ne tombe pas. Chouchou l'a mis au mur ce matin. Et bon, pour l'instant, ça va. Non, mais c'est vrai que c'est embêtant quand ça tombe. Alors, des fois, j'en ai qui tombent. Et alors, le cadre hein, en miettes. Et la vitre, nickel. J'ai eu le tour l'autre jour avec les chats, je crois, ou je ne sais plus. La vitre n'avait rien eu. Ou alors, il y a tout qui casse, la vitre, et au risque aussi d'abîmer le DP. Voilà, alors là, ça fout les boules. Un cadre qui est cassé, bon, je m'en fous encore, voilà, je retourne à l'action, je reprends un, et puis, bon, vu les prix. Mais abîmer le DP, ça, c'est, vu le nombre d'heures qu'on passe sur nos DP, c'est un peu les bouboules. Voilà. Bon, voilà, donc à la fin, là, je ne l'ai pas filmé pour l'encadrement, puisque je vous le fais à chaque fois, je vous en referai d'autres hein, la prochaine fois. Mais si vous regardez dans mes vidéos où c'est marqué encadrement,
Vous verrez comment j'encadre mes DP. Mais là, je ne l'avais pas fait. J'allais le faire hier soir. Et j'ai ma belle-fille qui est arrivée avec ma petite fille. Donc, j'ai laissé le cadre sur ma table. J'avais mon pied pour filmer et tout. Et quand ils sont repartis, je me suis remise à finir pour l'encadrement. Et j'ai oublié de brancher le téléphone. Donc, je n'ai pas pu filmer. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein. Allez, maintenant, j'arrête de blablater. Ça fait déjà 6 minutes que je blablate. Je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du kit. Là, si, le passe-partout, ce n'est pas un blanc. Enfin, c'est pas blanc d'habitude, hein, c'est un peu blanc cassé. Là, c'est un noir. C'est un passe-partout noir. Mais ça fait très joli. J'aime beaucoup. Voilà, bon, allez, j'arrête. Je vous laisse visionner, parce que vous allez dire, elle commence à nous barber, à parler. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage, à bientôt.
deux parties de son train routier. Déjà 47 minutes de manœuvre et Lexi n'a pas encore commencé son chargement. Je m'attache les cheveux parce que maintenant on passe chose sérieuse. Pour récupérer la marchandise, la conductrice doit détacher ses deux caisses. Lexi doit attendre qu'un employé vienne s'occuper de son chargement. Chômage technique. Je pars jusqu'à mec qui va faire 3 heures là, quand je fais. C'est toujours chiant parce qu'en général on te dit que vous soyez absolument à cette heure-là pour charger. Et là, à l'heure qu'il manque, il y a personne. Cela fait 40 minutes que Lexi patiente, sans information. Attends, mais en plus, pas trop longue parce que au final, le client, voilà, il a ses problèmes de marchandises, mais moi, au final, tout le transport et la finalisation de la marchandise jusqu'au client, bah, c'est à moi que ça incombe, donc il ne faut pas non plus que ça me gêne dans mon travail. Vertique, c'est ok. Badon. À sa rencontre. Une opération compliquée par la pluie. Ce qui est risqué quand il pleut, c'est que sur le plateau, on peut glisser et tomber. Dans le milieu, c'est lisse. Du coup, si on a pas l'air de marcher là-dessus et qu'il pleut, c'est glissade d'assurer. Sur le cul, terminé. Déjà mis par tous les transporteurs, il y a Ford, il y a Renault, il y a tout un tas de concessions, mais
Leïla a transporté aujourd'hui
produiront un millier de planches destinées à fabriquer des charpentes et des bois de construction. Avant de reprendre le volant, la conductrice doit effectuer le dernier geste obligatoire de tout chauffeur de grenier. C'est très important d'aller son plancher parce que je vais devoir recharger une marchandise. Après chaque déchargement, il faut ressouveiller son plancher donc qu'il soit bien propre et en bon état. Dans tous les cas, si quelque chose tombe dans mon camion, que ce soit de la marchandise ou une pièce attente au camion, c'est moi qui suis responsable. Mission accomplie pour les mères. Bonne journée, elle a bien commencé. Abdul, les bloqués Abdul. Ensuite, c'est les mains. La tête sur les...
j'aime bien celui qui va la charger, c'est le premier à qui elle avait demandé. Hein? Ça fait 3 heures. Il y en a que deux. Elle vibre pour les grosses mécaniques.
fin jusqu'au bout des ongles. Rapide. Ça y est. Sauvage. Et libre. Ce sont les reines de la route. Béatrice, l'éclatante. Oui, grâce. Avec son pantalon rouge. Ses coups de gueule. Et c'est sorti légendaire. C'est un chou roulant permanent. Christelle, la pile électrique. Rechargée à bloc. L'experte du volant. Réponse à bonne humeur contagieuse sur le bitume. Béatrice vient de charger 20 tonnes de coupeaux de bois dans son camion à fond mouvant. Courir 620 km en moins de 24 heures. J'apprécie de venir en Italie. Moi, je fais ce métier pour la liberté. Je vois des paysages. Je suis en vacances toute l'année, moi. Je m'appelle Béatrice, j'ai 47 ans et ça fait 16 ans que je conduis des semis. Je suis une dure au cœur tendre. Mais le cœur tendre, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Trop grand du camion. Je suis une très grosse râleuse. Qu'est-ce qu'ils disent que j'ai fait à la peau, là? Je suis une de larmes. Non, mais j'ai beaucoup de l'air aujourd'hui. Tout beaucoup de trafic. Je suis limite Godzilla. Le monde de travail, le monde de Ken, c'est deux BA qui sont différents. Coucou les filles. Ça va? Alors, couleur? Ouais. J'en ai marre d'avoir une tête d'avis de recherche. C'est bien ça, la couleur du Ken. J'ai les bouchons de l'or.
position au volant de son camion frigorifique. C'est bien par le privilégié de la soupe. Il était complètement plié, je ne sais pas comment. La mission de Christophe. La tête en arrière, les pattes en l'air. Pour charger 28 tonnes de pain au chocolat. Elle devait arriver à 10h le lendemain dans la zone portuaire de Zeebruges, en Belgique. Au commande de son camion frigorifique, elle va devoir parcourir 689 km en un temps record. Assurent eux-mêmes le chargement de leur remorque. Thank you.
est obligé de payer les réparations. Donc si on n'arrive pas à payer le tout, chaque mois on a une prime qualité. Sanitaire au chauffeur de l'eau. Ah, mais on est clairement considéré comme des vestiaires dans certaines entreprises. Ah, mais clairement, elle est en train de pisser sur les
Une livraison éprouvante, mais malgré tout un vrai soulagement pour Clotilde. À la frontière italienne, Béatrice patiente dans une chambre depuis plus d'une heure. C'est ma batterie.